là-dedans. Comme ça, mon pot, je pourrais aussi le nettoyer parce que j'aime bien de temps en temps nettoyer. Généralement, ce que je fais, c'est que j'ai... Oh, ce petit, regarde, c'est un corail. Il est beau, hein? Il est magnifique. C'est magnifique, les corail. Mm-hmm. Oh, ce sont des coquillages. Je pense que les petits corails, ce sont les... ceux que j'avais ramassés, moi, en... pendant mes premières sorties en mer. Quand je suis allée en Polynésie. Hop. Je mets ma main pour que ça ne se verse pas trop. Gideon, on ne reste pas sur mon bras parce que tu vas me faire verser. Mm-hmm. Tu n'es pas obligée de me coller, tu sais. Bébé à maman là. Mm. Si, si, tu es le bébé de maman là. Non. Ah, si, si. Non. Ah bon? Tu n'es pas le bébé de maman? Celui-là qui a la forme de 1. Je l'avais ramassé aussi pendant mes premières sorties en mer. C'est les coquillages 1. Des beaux souvenirs. Je crois que je les avais ramassés sur la plage, sur une plage à Waini. Oui. Pendant notre voyage de noces. Ben oui, il y a un gros qui est des corail aussi. Okay. Tu as ramené que du coquillage. Et moi, il y a aussi des corails. Qui t'a donné du coquillage, Doudou? C'est ta maîtresse? Ou ce sont tes copains? C'est la maîtresse ou le copain? C'est la maîtresse? Oui. Il n'a rien donné. Ah, tes copains n'ont rien donné? Ah, c'est pas grave. Ils ont pas forcément. Ils sont pas obligés de donner quelque chose. D'accord? Et voilà, mon pot, je vais le nettoyer. Voilà, ça donne ça, mon sang. Et là, on va le refermer comme ça. Hop. Et ça nous fait une jolie décoration. Ce que je peux faire à la rigueur, se mettre au-dessus du sable un autre coquillage un peu plus gros. Et ouais. Comme celui-là. Par exemple. Gros. Hop, il n'est pas très gros. Voilà, et ensuite je ferme. Et ça me fait une déco magnifique. Magnifique, hein, Doudou, t'aimes bien? Oui. Yeah. Maintenant, ce pot-là, je crois que là-dedans, je vais mettre encore du sable. Je vais vous faire là. On va laisser les photos, bien sûr. Et ouais. Voilà, comme vous avez pu voir, j'ai pris ça là-haut. J'ai récupéré ça de là-haut. Donc, je crois que je vais mettre un grand pot pour l'instant. Ça pourrait changer après. Peut-être que quand j'aurai fini de nettoyer. Ah, il y a plein de sable. Quand j'aurai fini de nettoyer. Gideon, fais attention, ma chérie. Quand j'aurai nettoyé mes pots, peut-être que je vais redisposer de façon différente. Pour l'instant, je fais comme ça. Comment ça s'appelle? Non, c'est pas un coquillage, ça, chérie. Ça, c'est du corail. Du corail. Il y a un gros coquillage. Comme ça. Ouais, il est bien un gros col sur des trucs. Donc, un magnifique. Et ça, c'est magnifique, simplement. Donc, c'est quoi? On va finalement l'utiliser comme ça. Oui, je me suis trompée, mon chéri. Je me suis trompée. Et on met dedans. Ah, il n'y a pas plus. Il n'y a pas plus. C'est bien comme ça aussi. On fait comme ça. Il faut plus. Non, pas du tout. Et là, du coup, je vais rajouter... Les plus gros, les plus petits, je vais les laisser. Voilà. Après, je le mets. Et je vais rajouter du coquillage avec. De toutes les façons, j'ai du coquillage que je préfère mettre en boîte que de laisser que ça prenne de la poussière parce que c'est pas simple à nettoyer.
l'autre boîte, quand les bonbons seront terminés, on verra bien ce qu'on pourra en faire. Ça pourrait être utile. Voilà, et même je peux juste laisser comme ça, vous voyez comment c'est joli. Juste laisser comme ça et poser sur un meuble quelque part. Ou sur, même sur la table basse, hein. C'est vraiment joli. Ma télé, ça pourrait être intéressant à regarder. C'est vraiment joli. Donc toi, je ne peux pas te mettre parce que c'était trop grand. Celui-là, j'ai une autre idée pour lui. Les colliers aussi de coquillages, vous voyez, les colliers, comme ils ont été souvent exposés, ils sont un peu abîmés, ou bien il faut peut-être, ça nécessite un peu de lavage, je pense, un coup de lavage. Donc celui-ci, je laisse comme ça, comme j'ai dit, et je mets le bouchon, oh, le sable. Voilà. C'est une cuillère en bois décoratif. Donc je peux juste exposer ça là-dessus, mais il faudra que j'arrive à trouver un truc que je qui peut se fermer pour mettre ça dedans, parce que je veux pas que afin de conserver, voilà, afin de le conserver, il faudra que je trouve quelque chose que je peux mettre dedans. Et voilà. Bon, lui, je le mets ici en attendant. Vous voyez, c'est comme ça. C'est magnifique. Tout simplement magnifique. Et je rajoute les autres, les petits, sur le côté. Ouais. Comme ça. Et voilà. Non, je pense que ce petit-là, je peux mettre dans l'autre boîte. Ça passe. Ça passe, voilà. Donc ça je continue à travailler dessus. Comme j'avais mis ce coquillage là, je vais peut-être le changer. Non, je vais rajouter du corail à côté, vous me le laissez. Hop, je le mets, je rajoute sur le côté du coquillage, je vais donner une autre allure. J'arrête sur le côté du corail pour lui donner notre allure. Donc, est-ce que j'ai encore des petits corail? Reste un seul, qui est celui-là. Voilà. Ça lui donne une allure différente. Ce qui me reste, ce n'est plus du... Je n'ai plus de petit corail. Ah si, là. Du petit corail ici. Est-ce que ça fait l'affaire? Essayons pour voir. Ah, c'est pas mal, hein? Oui, c'est pas mal. T'aimes bien mon doudou? Oui. C'est pas mal. C'est pas mal. Les étoiles, c'est orange. C'est orange, les étoiles de mer? Oui. Ouais. T'as pris plein de choses, toi, là-bas, du coup. Oui. Tu pourras nous apprendre des trucs, alors? Oui. Oh. Regarde ce 1. Bien, doucement. Assieds-toi, s'il te plaît. Assieds-toi. Attends, je veux. Non, tu ne veux pas, parce que maman va mettre dans la boîte et puis c'est tout. Coquillage. C'est du corail. Du corail. Ne touche pas. C'est un coquillage. C'est un corail. Oui, au-dessus, c'est un coquillage, mais à côté, sur les côtés, c'est un corail. Bon, là, je laisse ça comme ça pour l'instant. Je crois que... C'est assez joli comme ça à côté, peut-être pour empêcher de où est le bouchon? Ah, il est là, c'est le bouchon. C'est là le bouchon. Oui, chérie, j'ai vu, tu m'as montré, j'ai vu, merci. Voilà, je réussis à l'effet mon 1 pour laisser tout haut, tu vois. C'est mon 1. Ah, c'est ton 1, d'accord. Si c'est ton 1, c'est ton 1. Hein? Qu'est-ce que je peux dire? Alors, c'est terminé. Et ouais, on a tout fini. On a terminé. Oui. Ceci, j'ai mis comme ça, mais il faut que je trouve une solution. Quoique, ouais, il y a ça. On peut faire avec.
Oui. Tu peux mettre là-dedans? Oui. Parce que le but, c'est de les protéger, mon chéri, n'est-ce pas? Attends d'abord, attends. D'abord, on va en poser quelques-uns avant de poser le verre. C'est plus gros, ça. Oui. Attends, Gideon, attends. Attends, les plus petits, on va les passer par-dessus. Pour l'instant, on pose les plus gros. Comme ça, on pose le verre par-dessus. Et maintenant, tu peux mettre doucement, sans casser le verre. Doucement. Ça, tu laisses tomber. Voilà. Bien. Non, on a trouvé des solutions. On trouve toujours des solutions, nous. Avec mon petit trésor, on trouve toujours des solutions, n'est-ce pas, Doudou? Avec maman, on trouve toujours des solutions, hein? Oui. Et voilà! Ça me fait un truc comme ça. En fait, ça, au départ, c'est pour la bougie. Pour faire brûler, en fait, pour utiliser la bougie et la cloche, ça permet de garder la flamme pour que ça ne s'éteigne pas rapidement. Donc voilà, mais comme je n'ai plus de bougie dedans et puis de toutes les façons, toutes les autres bougies que j'ai sont déjà dans des boîtes, dans des pots en verre, du coup, bah, je ne vois pas vraiment l'utilité. Hein. Et là, ça va être génial à utiliser comme ça. Là, je peux me mettre une fleur dessus et ça sera génial. Topissime. Oui, mon chéri. T'as dit topissime. J'ai dit topissime. 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 Bon, Gideon, tu te mets debout, s'il te plaît, parce que là, je te tiens d'un bras et c'est pas simple. Donc, voilà. Ça nous fait ça. Et ça protège notre coquillage. On va peut-être en rajouter quelques-uns dedans, si on peut. Oui, on peut. On va peut-être rajouter ça. Oh, c'est plus grand. Oui, c'est plus lent. C'est plus grand. Oui, c'est plus amusant, grand. Hein. Oui. Il est plus gros. Oui, il est plus grand. Alors, on essaie d'en trouver un tout petit. Un petit. Oui. Ou bien un petit corail. Hop, un petit corail dedans. Celui-là, tu crois que ça peut rentrer? Ah oui! Encore un autre petit? Non, non, celui-là est grand, mon chéri. Un autre petit comme celui que tu as trouvé tout à l'heure. Non, non, j'aime pas trop celui-là. Si, c'est tout petit. Oui, c'est petit, mais je l'aime pas trop. Non, tu vois, il ne reste pas. De toutes les façons. Regarde, on met celui-là. Ah, c'est rentré! Il en faut encore au moins un ou deux. Là? Non, celui-là ne peut pas rentrer, regarde, c'est trop gros. Trop large sur le bord. Ça? Non. Regarde. Celui-ci, c'est bon. Et ça? Non, ça peut pas rentrer, c'est trop large. Regarde, celui-ci peut rentrer. Mais non, c'est bon, regarde, juste ça. C'est bon. Ça peut pas, regarde, essaye. Non, ça peut pas. Du coup, voilà. Et on a trouvé aussi des solutions. Non, j'ai essayé déjà. Ça rentre pas. J'ai essayé déjà, ça rentre pas. T'écoutes? Ok. Voilà. Hop, hop, hop. On peut faire ça. On peut faire ça. Voilà. C'est Gigi. Coucou. Alors, aujourd'hui, c'était Gigi et maman qui vous présentaient leur activité d'exploration. Je suis Gigi Déon. Oui. Le petit garçon de maman qui a fait une petite activité avec maman de décoration. Yeah. Ouais. Donc, on vous donne rendez-vous la prochaine fois pour une autre activité avec Gigi. Ouais. 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 Gigi Déon. Oui, mon chéri. Et puis, on vous dit, on vous fait des gros bisous. De nous laisser un petit commentaire tout en bas de la vidéo. Ouais. Coquillage. Et de nous faire des suggestions si vous en avez. Avec des bounas. Bon, qu'est-ce que tu racontes, toi, petit coquin?
Allez. Avec des corail. Bye bye. Des corail. Dis à bientôt. À bientôt.